Jingle. Yes, it's Papa Rasta Show. It's coming right now. Alors bonsoir à tous, ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Yeah, nous sommes au Papa Rasta Show. Et nous recevons Mama Rasta aujourd'hui. Yamba et sa famille. Oh Yamba, you're singing idle road in the road in Nam City. Black music from the ghetto in Nam City, Namibia, because they live in the agonies will hold them humanity. Yeah. Yo. Vous êtes au Papa Rasta Show et on reçoit aujourd'hui l'artiste qu'on appelle Yamba du Burkina Faso. Yes I. Ha. Mais d'abord, vous savez que chez nous c'est le show tout le temps. D'abord on va louer, on va louer. Nous sommes les enfants de Tcha. Lord of mercy, Lord of mercy, for every day God your children live. Lord, Lord of mercy, for every song your children singing. If you are king with the spirit ring of your creators, yes, your creators, Jaja give you everything. Spirit, 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 Rastafari. Spirit, 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 spirit. Oh yes, from Africa. Yes, from Africa. Burkina creators. Yes, your creators. Allah, Jah Jah give you everything, every day. But I know, cause I live, spirit, 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 from Africa, spirit, 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 Rastafari, spirit, 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 Selassie, I listen, the revelation. From Salomoni, dynasty, I oh, Jaja, listen, Papa Mama Rasta family, in the Papa Rasta show, Papa Rasta show, Papa Rasta show, spirit, 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 from Africa. Spirit, 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 spirit. Selassie, I. Spirit, 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 spirit. Oh, Papa Rasta show. Oh, Papa Rasta show. Oh, 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 oh. Spirit, 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 Selassie, spirit, 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 yes, from Africa. Spirit, 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 oh my Lord, listen, the revelation, oh, from Salomoni, oh, yes, dynasty, I listen. Jaja in Papa Rasta show. Listen, Papa, Mama Rasta family, oh Papa Rasta show. Papa Rasta show. Bonjour Yamba family. Bonjour que la... Papa Rasta. Yeah, que la paix de l'Éternel soit avec vous, Rastafari. Celle-là, c'est Aina. Yeah, alors on a fait vraiment s'éclater ensemble. Alors pour les auditeurs du Papa Rasta show, c'est une histoire qui commence à 11h30, minuit, ouais, 1h du matin. 1h du matin, en fin de concert. Alors nous, on sortait de concert, c'était ce week-end. On sort de concert, alors on a eu une journée extraordinaire avec beaucoup de pluie. Alors nous, on a eu de la chance, on était abrités, donc on a pu protéger notre matériel, etc. Mais donc on sort en concert à 1h du matin. Et on passe par Vallon, nous on jouait à Rue 11, hein, pour être précis. Et on passe par Vallon et on rencontre Yamba et sa famille qui eux sortaient de concert, mais alors dans une grosse galère. Dans une grosse galère parce que ils ont pris la saucée, comme on dit chez nous en France, ils ont pris la pluie et donc ils étaient en train de speeder, matériel, tout ça, machin, tout ça. Et deux familles Rasta qui se croisent tranquillement là comme ça. On a organisé un petit Papa Rasta show. C'est ça. Car on a été enchantés de découvrir leur musique. Ils ont des musiques, des voix superbes. Et on s'est dit, bah, il faut que vous puissiez en profiter aussi. Vous tous, les téléspectateurs du Papa Rasta show. Donc on a toute la troupe qui est là et qui va nous faire un petit morceau spécialement en live pour le Papa Rasta show. Alors bien sûr, vous connaissez Papa Rasta, Mama Rasta et le Papa Rasta show. On n'a pas pu s'empêcher de jammer, on n'a pas pu s'empêcher de faire un bœuf. Alors vous verrez tout ça dans le Papa Rasta show. Mais alors la question que moi je vais te poser, Yamba, tu viens du Burkina, c'est ça? Et comment s'appelle l'instrument dont tu joues? L'instrument s'appelle Ngoni. Ah, si tu parles pas dans le micro, c'est mort. L'instrument s'appelle Ngoni. N', G-O-N-I. Donc c'est un instrument mandingue. Et à la base, c'est des donsos qui les jouent. Les donsos, c'est des chasseurs, guérisseurs, les protecteurs de la forêt et des populations. Donc c'est eux qui jouent à la base pour... ils jouent pour soigner les gens, ils jouent pour apaiser, pour parler aux ancêtres, pour parler aux esprits, pour accompagner aussi aux travaux champêtres. Ils jouent pour différents événements. Et c'est un instrument que tu as fait toi-même, tu nous as expliqué. Oui, c'est moi-même qui les confectionne maintenant. Donc voilà, pour nous, et quand ils jouent à un instrument traditionnel, c'est important de pouvoir le réparer, de pouvoir changer selon tes idées, selon tes besoins. Donc à un moment, il faut pouvoir adapter ton instrument à toi. D'accord. Yes. On a vu qu'il y avait plusieurs instruments comme ça, que tu es venu avec différents styles d'instruments. Oui. Que tu as tous fabriqués toi-même en fait. Oui, j'ai tout fabriqué moi-même. Donc ça, c'est le Koné. Le Koné. Le Koné, c'est de la tribu de Bissa. Donc on les joue aussi pour les travaux champêtres. Et on les joue pour accompagner les guerriers, puisque c'est un instrument de chasseurs. Les chasseurs aussi, c'est des guerriers. Et quand il y a quelque chose qui se passe et que la population n'est pas d'accord avec les dirigeants, donc ils mettent les griots devant avec l'instrument qui joue et qui répète ce que la population revendique jusqu'à chez les chefs ou chez les rois pour leur dire voilà, on n'est pas d'accord. Donc les connaisseurs à ça aussi. Alors tu as vu que on a commencé par jouer, hein, on a été plus simple, tu as vu le morceau qu'on a fait ensemble. Alors comment tu as senti la vibe de notre musique à nous qui sommes des Hightail Roots, nés ici en Europe et qui avons gardé la tradition africaine originelle? Comment tu as senti la vibration? Pour moi, j'ai vu, comme on dit, comme la plante de patates douces. Il y a la racine qui est là, mais il y a plein de branches et les branches font toujours des rejets et ils donnent des patates douces. Et mais il y a toujours la racine principale. Et ça n'empêche que les autres aussi donnent de grosses patates comme leurs racines. Donc je vois que je me suis retrouvé avec la même musique. Je le sens comme si voilà, j'accompagnais d'autres musiques du Burkina. Donc je sens le côté familier, je sens le côté très proche. Donc comme on le dit, la musique c'est universel, il n'y a pas de frontières. Tout à fait, c'est ce que nous a dit Coco Colors aussi. Que l'esprit de la musique, tant qu'il est amour, on le retrouve voilà, partout, on le retrouve et tout le monde s'y retrouve. Mais bon, la musique africaine, c'est vrai qu'elle a une spécificité quand même. Et comme tu dis, on a beau être loin, exilé, en exil, mais il reste quand même il reste un truc qui est là, qui ne peut pas partir. Voilà, on sent toujours la vibration, l'énergie surtout. On sent cette énergie des terroirs africains. On sent ça même quand je t'écoute chanter. Et ça me fait penser à nos griots, des vieux griots qui chantent il y a très longtemps. Mais je retrouve cette voix, je retrouve cette énergie. Mais juste, ce n'est pas les langues africaines. Ouais. Mais la langue a changé. L'énergie là est là à 100%. C'est ça, ben merci. En tous les cas, on aura été très heureux de te recevoir. Mais j'ai quand même une petite question à vous poser. Déjà, tu vas nous présenter tout ce beau monde là qui est là autour de toi. Yes, s'il te plaît. Donc, pour commencer, c'est comme ma mère te dit toujours que quand tu vois quelqu'un qui a mon âge, mets-toi en tête que c'est ta maman. Et cette personne, si cette personne te considère comme son enfant, renforce aussi ton lien maternel avec cette personne. Donc je peux dire, je suis arrivé en France, donc Arlette au début, c'était élève de Koné. Elle voulait apprendre le Koné, donc voilà, on a commencé à faire les cours, Entre temps, je me dis, bon, là, il faut qu'elle commence à comprendre aussi comment on peut accompagner des gens sur la scène avec d'autres instruments. Donc, c'est la suite des cours aussi. Elle est arrivée sur la scène. Donc, et voilà. Présentement, elle connaît plus ma musique que la majorité des musiciens avec qui j'ai joué. Je peux dire, c'est elle qui connaît plus ma musique. Voilà, avec ce qu'elle peut apporter. Donc elle joue le Koné, elle accompagne aussi avec les percussions. Donc elle connaît bien mes rythmes, puisque mes rythmes ne sont pas souvent évidents pour beaucoup de musiciens. Je sais que beaucoup de batteurs, ils galèrent et voilà. Et Arlette assure. Et Arlette assure. Ouais. Ben c'est bien, c'est bien. Donc, du coup, on l'a nommée Marlette. Ah, Marlette. Marlette. Ok. Ensuite. Et à côté de toi, c'est qui cette petite fille? C'est Yusra, Yusra Ninta. Hein? Yusra, c'est son nom de baptême. Ninta, c'est son nom de naissance. C'est mon cousin qui lui a donné le nom. Tu sais, quand il arrive au monde, il y a ton père, mais la famille de ton père qui sont autour de toi, ils observent aussi ta vie, ils observent les réalités pour donner le nom à ceux qui viennent, ceux qui sont proches d'eux. Donc, il a estimé que Yusra, on doit l'appeler Ninta. Ninta veut dire bonté, harmonie. Voilà. Et Yusra veut dire tempérance. En gros, c'est ta petite fille. C'est ma fille. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Ah, c'est génial. Et cette jolie dame à côté, qui c'est alors? Aria, c'est ma copine. Hein? Donc, ça fait quelques années aussi qu'on s'est rencontrés. On fait la musique ensemble quand on peut. Donc, elle fait partie du groupe, de la famille. De la famille. De la famille, donc la famille, la musique que tu as dedans en même temps, vu que la famille, c'est la famille de musique. Tout est lié, la famille, dans la musique. Alors, il y a encore une question que j'ai envie de te poser au Papa Rasta Show. Qu'est-ce que tu... Parce que tu chantes en malinké? Je chante en djoula. En djoula. En Bissa. Non, mais la chanson qu'on a chantée. Qu'on a chantée, c'est... Et que tu as fait toi-même. En Bissa. C'est en Bissa. En Bissa, et il y a une partie en Bambara. En Bambara. Alors, qu'est-ce que raconte cette chanson? Cette chanson parle des agriculteurs. J'ai dit, on doit honorer les agriculteurs, on doit les respecter, on doit prendre soin d'eux, on doit faire tout pour qu'ils puissent faire leur travail dans les bonnes conditions. Parce que c'est eux qui travaillent pour nourrir l'humanité. Parce que quand tu vas aller dans ton bureau, tu vas écrire sur tes papiers et que tu rentres chez toi, tu ne vas pas manger tes papiers. Il faut de la nourriture dans ton assiette. Et c'est quelqu'un qui a bravé le temps, le froid, la pluie, le vent et autres pour que cela puisse arriver dans ton assiette. Donc, on lui doit du respect. J'ai dit, mais ce respect n'est pas adressé à ceux qui empoisonnent la terre, empoisonnent nos nappes phréatiques, empoisonnent leurs enfants et nous tous. Donc j'ai dit, on ne peut pas adresser notre honneur, notre remerciement à ces personnes-là. Qui empoisonnent la terre. Et j'ai dit, tu as pris du poison, mettre sur la terre. Les bestioles qui sont là, ils ont un créateur. Ce créateur les a dit que c'est là qu'ils doivent manger. Donc toi, il t'a donné ce cadeau aussi pour que tu puisses partager avec eux. Chacun a un peu, chacun travaille pour l'autre. Et ils travaillent ta terre pour toi. Donc ils ont le droit aussi d'en avoir un peu. Parce que grâce à eux, la terre respire, la terre est aérée. Donc ils ont le droit d'en avoir un peu. Donc accepte de partager avec eux. Alors c'est un peu contre tous les insecticides. Exactement. Tout ce qu'on met dans la terre. Les pesticides, parce que je vois qu'en Afrique, ça arrive. Et ce qui est interdit ici, les pesticides qui sont interdits ici, sont autorisés là-bas. Monsanto a amené au Burkina et il a pu berner les paysans, donc il y a beaucoup de paysans qui l'utilisent. Mais ils l'utilisent par ignorance. Et que, on dit, il y a un journaliste burkinabé qui a été assassiné d'ailleurs, qui dit que le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bien. Donc si nous on sait réellement ce que c'est et qu'on se tait, on ne dit rien et que nos parents qui sont au village ne savent même pas lire une notice, ils vont aller utiliser les pesticides sans savoir, sans même se protéger. Ils se retrouvent avec des maladies qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc justement c'est là le titre du morceau, ça vient. J'ai dit va voir là-bas d'où ça vient. Voilà. va voir là-bas tout ça. Alors, tu vois, ça, c'est vraiment le principe et l'esprit du Papa Rasta Show, c'est de faire passer le message, que ce soit à travers le reggae, à travers les musiques traditionnelles, à travers, j'ai dit, quel que soit le style, mais la musique de Jah, elle a 1000 styles, elle a 1000 façons d'être. Donc, c'est l'esprit du Papa Rasta Show, et cette chanson, j'espère que le peuple burkinabé la recevra bien. Et en tous les cas, elle sait maintenant que tu fais partie de la grande famille du Papa Rasta Show, parce que il y a beaucoup d'artistes dans le Papa Rasta Show. Si tu as eu le temps d'un peu regarder tous les artistes qu'il y a chez nous, ils sont très nombreux, et de tous les pays d'Afrique, des Antilles... J'oublie pas les Comores, Madagascar, l'île Maurice. Avec tous une volonté justement de propager un message de vérité, de protection de la nature, de tous les êtres humains, et le respect de notre créateur qui nous a donné tout ça. Alors on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Hein, d'avoir passé ce moment. Ah, c'est gentil. Passez un petit peu le micro, que je l'entende un petit peu. Ouais, voilà. Arlette. Parle fort, Arlette. Qu'est-ce que tu veux savoir, papa? Ben, je veux rien savoir. Je te dis juste merci d'avoir été là avec nous, voilà, d'avoir passé ce merveilleux moment. Hein, et puis, ta fille aussi était géniale. Elle a été très patiente. Très patiente. Tout ce temps de tournage. Tout ce temps de tournage. Alors qu'elle voulait aller chercher ses perruches. Et voilà. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci. Et on est resté dans la bonne humeur pendant tout ce séjour. Et bah, bien sûr. On espère que vous aussi, vous allez ressentir cette bonne vibe et cette bonne humeur qu'on a eu à réaliser tout ce que vous allez voir. Alors, on vous dit bonsoir. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais clôturer, puisqu'il y a une parole qui dit qu'il ne faut pas laisser là où tu as trébuché pour aller accuser là où tu es tombé. Donc si on est à l'émission Papa Rasta Show, c'est grâce à votre sympathie. Maman Rasta qui nous a fait des bons repas, On a bien mangé, on s'est senti chez nous. Donc on fait partie de la famille du Papa Rasta Show. Et donc, merci. Et vous étiez au Papa Rasta Show. Ya Digabou arobo minton wa 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 wa. Ya Digabou arobo mintoni. Ya Digabou arobo minton wa. Ya Digabou arobo mintoni. Hey hey hey. Bunya sana da hosra madai tarama kana misiroki eh eh adai tarama kobrona bana gangawa adai tarama akibina igutaye brona bana gangawa soni tura nyina bonso wo wo iyawa nyina bonso wo wo budu to mami Yabo tomawa, iyawa. Kambonya kina bantarala, kamagure imida taramabi. Inyana bonso wa wa wa, iyawa. Iyawa, iyawa, Kama dumuni kama sabari sabari ikana tukoro jamfa mwaye sabari sabari mwaye sabari bada 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 tam iyawa iyawa Bada, 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 iyawa, iyawa, bada, 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 bada.